Bonjour à tous, chers amis. On va commencer un cycle de 4 conférences sur le Devoitine 520. Ces conférences sont animées par David Méchin, rédacteur de nombreux articles en faveur de l'aviation. Aujourd'hui, la conception de l'avion. Comment Devoitine a été amené à construire cet avion? Quels ont été les modèles qui l'ont précédé? La semaine prochaine, deuxième volet, le combat. Qu'est-ce qu'il vaut cet avion au niveau performance? On va essayer de répondre à la question que se posent nombreux historiens. Si cet avion avait été produit assez tôt et en assez grande quantité, est-ce qu'il aurait permis d'inverser le cours des événements et de contrer l'avancée des Allemands, notamment dans les Ardennes? Troisième volet, après l'armistice, alors cet avion est utilisé d'abord par Vichy, puis par l'armée allemande. Est-ce qu'il sert mieux les intérêts des forces de l'Axe que les forces françaises? Enfin, dernier volet, après la libération de Toulouse, quel usage est fait de cet avion par les Alliés lors de la débâcle allemande? Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un avion mythique pour les passionnés de l'aviation française de la Seconde Guerre mondiale, le Devoitine 520. C'est un avion mythique parce que c'était le seul chasseur doté de performances qui lui permettait de se mesurer efficacement au Messerschmitt 109E, le chasseur principal de l'Allemagne nazie quand celle-ci se mit à envahir notre pays au mois de mai et juin 1940. Avec sa silhouette élancée et ses lignes élégantes, le Devoitine 520 est assurément l'un des plus beaux avions militaires produits par notre pays, lui confiant un statut de légende au même titre qu'a pu l'être le SPAD dans la Première Guerre mondiale ou le Mirage 3 dans les années 60. Donc je vous détaillerai dans cette vidéo toute l'histoire de sa création et de sa production en série. Avant de commencer par l'histoire de cet avion, il faut nous intéresser un peu à celle de son créateur, M. Émile Devoitine, alias Mimi le bras de fer pour les intimes. C'était une petite teigne d'1m61, quelque peu complexée par sa taille, il faut bien le dire. Émile Devoitine est né le 26 septembre 1892 dans l'Aisne, où son père était marchand de vin en gros. Il était donc issu de la bourgeoisie. Il va se montrer très doué pour les études, tout en étant passionné par les vols que font les premiers faucheurs de marguerite. Et dès son enfance, il commence à bricoler des maquettes de planeurs. Ses parents pouvant lui payer des études, il entre au collège de Reims, puis étudie à Paris, à l'école Breguet de la rue Falguière, qui dispense un enseignement en mécanique et en électricité. Il va quitter cette école sans en avoir le diplôme, parce que, alors qu'il n'a pas encore 19 ans, il s'engage volontairement dans l'armée le 20 février 1911 comme un simple soldat au 1er régiment du génie de Versailles, qui héberge les premières expériences aéronautiques de l'armée française. Il y sert avec application et peut approcher les premiers avions, à défaut de pouvoir les piloter. Le 25 septembre 1912, il est muté au centre d'aviation militaire de Biskra, en Algérie, à une époque où l'armée française expérimente l'aviation pour explorer le Sahara et où il vole à travers le désert sur un Henri Farman HF-20 en tant que mécanicien volant derrière un pilote. Il est très ingénieux, à tel point que, promu au grade de caporal, il va inventer un curieux véhicule surnommé la Sauterelle, propulsé par une hélice actionnée par un moteur en étoile récupéré sur un Farman. À bord de la Sauterelle, le général Lapérine, qui commande les forces françaises du Sahara, va réussir une traversée entre Biskra et Tougout, un itinéraire de près de 200 km dans le désert. Alors démobilisé avec le grade de sergent, le 20 février 1914, au terme de son contrat d'engagement de 3 ans, Émile Devoitine va s'installer à Versailles et va travailler dans une fabrique de motocyclettes. Au moment de la mobilisation, il est rappelé sous les drapeaux et dans les premiers mois de la guerre, il va être affecté comme mécanicien dans une escadrille de bombardiers voisins, l'escadrille V-21. En 1915, dans le courant de l'année, il va rejoindre l'escadrille MF-99 qui stationne près de Belgrade et offre à l'armée serbe une couverture aérienne dont elle est dépourvue. En raison de son expérience sur le bombardier voisin, il est alors prêté par la MF-99S à un détachement de l'armée russe qui vole sur ce type d'appareil et qui doit venir s'installer en Serbie. Alors Émile Devoitine va rejoindre ce détachement en Russie en naviguant sur le Danube et il arrive à la ville de Reni qui est à l'embouchure du Danube et c'est là qu'il embarque sur une des barges sur lesquelles sont montés les appareils. Donc un petit convoi naval se forme et remonte le Danube vers la Serbie. Le Danube est une voie de navigation internationale. Mais ce petit convoi naval va être attaqué et massacré par les troupes bulgares qui sont au sud du Danube. Jusque-là, la Bulgarie était neutre, mais elle est entrée en guerre du côté de l'Allemagne le 6 octobre 1915. Pas de chance. Alors Émile Devoitine fait partie des survivants
Et bien du coup, il se réfugie sur la rive nord, qui est en Roumanie, un pays encore neutre. Et de là, il regagne la Russie et il se met à disposition du consul français local d'Odessa, qui va l'affecter à une société aéronautique russe, la société Anatra, où on va très vite utiliser ses compétences. La société Anatra construit sous licence des avions français voisins. Donc Émile de Wattines est chargé de superviser la chaîne de montage. Au printemps 1916, il est même chargé de mettre en place une seconde chaîne de montage à Simferopol, près de Sébastopol, en Crimée. Et c'est là qu'il se trouve quand éclate la révolution russe. Alors, dans le chaos, il parvient à rentrer en France au terme d'un voyage rocambolesque via Moscou, Saint-Pétersbourg, la Suède, la Norvège. Il revient en France en 1918 et c'est là qu'il va être affecté comme ingénieur chef de projet dans la société Latécoère de Toulouse, qui construit sous licence des biplaces Samson 2A2. Il va être démobilisé en 1919 et là, bah, il souhaite diriger le bureau d'études de la société Latécoère. Mais le patron, Pierre-Georges Latécoère, ne donne pas suite à sa demande. Alors Mimille est furieux. Il claque la porte de Latécoère et crée en 1920 à Toulouse sa propre entreprise, la CAED, Construction Aéronautique Émile de Wattines, qui installe ses bureaux au centre-ville de Toulouse, rue Lafayette, et un petit entrepôt dans lequel il installe ses ateliers. Et bah, à cette époque, la CAED n'emploie qu'une cinquantaine de personnes. C'est une PME. Mais cette PME va commencer à réaliser un planeur, une aviette, et va surtout se distinguer en donnant naissance à un appareil, lui, réellement novateur, le De Wattines D1. C'est un chasseur monoplan à aile haute, à l'armature et au fuselage entièrement métallique, dont seules les ailes sont entoilées. Alors, ce De Wattines D1 va être un vrai succès et va décrocher une commande de la marine française d'une trentaine d'exemplaires, plus plusieurs autres commandes à l'étranger, mais surtout une commande importante du gouvernement italien qui le fait carrément construire sous licence à 142 exemplaires par la société Anzaldo, sous le nom d'Anzaldo AC2 au total. Et on a 230 exemplaires qui vont être produits, ce qui est très bien d'ailleurs dans le contexte des années 20 où les commandes militaires n'étaient pas si énormes que ça. En tout cas, ça permet à la CAED de se développer, de réaliser d'autres modèles et d'implanter son siège social à Châtillon-sur-Bagnon en 1924, l'année même où la société se transforme en CAD, Construction Aéronautique de Wattines. Son pilote d'essai attitré à ce moment-là est Marcel Doré, qui va en fait essayer tous les prototypes produits par de Wattines. Malheureusement pour la société, les modèles suivants que va développer Émile, comme le chasseur D9, il construit à 150 exemplaires sous le nom d'Ansaldo AC3, et le D27, qui sont tous des chasseurs monoplans à aile haute et de construction métallique, ne remportent pas autant de succès. La CAD, qui comportait 130 salariés à son point culminant, va connaître des difficultés croissantes au point de fermer ses portes en février 1927. Alors Émile rebondit en travaillant en Suisse durant l'année 28 pour superviser le montage de ces deux Wattines 27 dans les ateliers fédéraux de l'armée suisse qui l'a invité et qui fait construire le D27 à 66 exemplaires. Émile de Wattines revient ensuite en France, durant l'année 1928 même, pour y fonder une nouvelle société, la Société Aéronautique Française, la SAF, dans laquelle en fait il n'a pas le contrôle, il n'est qu'actionnaire minoritaire. Le contrôle revient à un groupement financier qui possède également une société aéronautique, la société Lioré et Olivier, qui a des moyens industriels plus importants que la SAF. Le siège social de la SAF est à Paris, le bureau d'études à Châtillon, et la production reprend à Toulouse. Et une nouvelle usine dite de Saint-Éloi va ouvrir ses portes dans la ville en 1933. Mais cette usine, voilà, elle est toujours, on va dire, semi-artisanale. Les moyens de production de Wattines restent limités et en fait, l'essentiel des commandes vont être construites par Lioré et Olivier, qui va produire en fait l'essentiel des appareils sortant des bureaux d'études de Wattines. Car la période des années 30 est une période qui est en fait assez faste du point de vue des créations pour la SAF, qui réalise de très beaux appareils. Citons le magnifique appareil de transport monoplan trimoteur, le De Wattines 338, qui est développé en 1935, dont une trentaine d'exemplaires vont être construits pour la société Air France. Dans le domaine militaire, citons le De Wattines 37 et ses dérivés, 371, 72, 73, 76, qui lui est sorti en 1934 et dont 88 exemplaires vont être réalisés. C'est le dernier des monoplans de chasse métalliques à aile haute. Parce que l'appareil le plus emblématique de cette période, c'est le De Wattines 500. Et ses dérivés, De Wattines 500 et 510, qui sont équipés d'un moteur canon, eux, ils vont être commandés en grande série par l'armée de l'air, du moins encore une fois, en grande série dans le contexte des années 30. 383 exemplaires vont être construits et même 47 vont être exportés.
Néanmoins, ce Dewatine 500 va illustrer les limites de la SAF, parce que la SAF en elle-même à Toulouse, elle n'en produira que 82, et 261 vont être construits par Lurel Olivier et même 40 dans un autre sous-traitant, la société Loire. Ça illustre bien le manque de capacité industrielle des 1000 Dewatine. Et les cadences de sortie de production sont très longues. Entre le premier vol du prototype qui a lieu en juin 32 et la première livraison à une escadrille en mars 35, ce sont près de 3 années qui s'écoulent. À une période où les progrès de l'aéronautique, eux, vont très vite. Il faut savoir que la plus évoluée des versions du Dewatine 500, le Dewatine 510, c'est le premier chasseur français à atteindre la vitesse des 400 km/h. Il a eu son prototype qui est sorti d'usine au printemps 1934, mais il ne va être livré dans les escadrilles françaises qu'au mois d'octobre 1936, soit 6 mois avant, à peine, avant que le BF-109B n'entre en service dans une escadrille allemande. Donc, il y a bien un temps important entre la définition d'un avion et sa livraison aux unités opérationnelles. L'armée de l'air, qui est consciente de ça, du retard, de l'obsolescence de sa flotte d'avions de chasse, lance un nouveau programme d'armement, le programme C1, en 1934, qui est finalisé au mois de novembre de cette année et qui exige des constructeurs un avion de chasse capable d'atteindre les 400 km/h, exigence qu'il modifie en novembre 1935 à 450 km/h. Alors, que va faire Émile? Tout simplement relever le défi pour remporter le marché de l'avion de chasse qui prendra de la génération suivante de son Dewatine 500. Inspiré par le Henkel 70, un avion allemand qu'il a pu observer lors du salon de l'aéronautique en 1934 et qui a une aile elliptique, il va concevoir un avion de chasse Dewatine 513, monoplan métallique à train escamotable et à cabine fermée, qui est équipé d'un moteur en ligne Hispano 12YGRS de 860 chevaux. C'est le même que le Morane Saulnier 405. Malheureusement, l'avion de Dewatine est loin d'être une réussite. Il est testé par Doré le 6 janvier 1936, alors que le Morane 405, lui, a déjà fait ses essais 5 mois plus tôt. Et ce Dewatine 513 va se révéler très instable, et le mécanisme, en plus de son train d'atterrissage qui est complexe, va causer de nombreux déboires. Pire encore, il peine à atteindre la vitesse de 400 km/h. Alors, de l'aveu même d'Émile Dewatine, c'est un beau loupé, ça ne fait pas ses affaires parce que ça prive sa société de toute perspective d'avenir. D'autant plus que le Morane 405 va vite être sélectionné officiellement comme vainqueur du programme C1 de 1934. Donc, que ces usines, qu'est-ce qu'elles deviennent? En 1936, tout ce qu'elles n'ont à se mettre sous la dent, c'est le solde des commandes de Dewatine 510 à terminer, pas grand-chose. Et c'est alors que l'attelage bancal qui forme avec Lioré et Olivier, lui, va le pousser à la sortie. Devant le faible nombre de commandes, Émile Dewatine va alerter les pouvoirs publics, justement de la faiblesse de son carnet de commandes, et il dit: il faut que je licencie du personnel. Donc les pouvoirs publics disent OK et lui commandent finalement quelques pièces détachées pour ses Dewatine 510 et pour les Dewatine trimoteurs. Mais cette commande de pièces détachées, c'est Lioré et Olivier qui va se l'approprier pratiquement pour ses usines, pour la plus grande part. Et même, elle va payer Dewatine selon les accords financiers qu'ils avaient, elle va le payer avec retard. Au mois de mai 1936, il y a un conflit social qui éclate dans son usine, comme partout en France, dans l'aéronautique. Le Front populaire arrive au pouvoir. Il va le résoudre rapidement, ce conflit social. Il va accorder les augmentations de salaire que demandent ses ouvriers. Le 10 juillet 1936, il démissionne carrément de toutes ses responsabilités à la SAF. Il se retrouve tout seul, au fond du trou, en homme libre, mais il va très vite rebondir. Parce qu'il va créer un bureau d'études privé qu'il va financer de ses fonds propres et qui s'installe dans une petite maison, une maison de ville à Toulouse, au 12 rue Déodorat. Et il y a embauché une petite équipe d'employés qu'il paye encore une fois de ses propres deniers, dont notamment deux de ses principaux collaborateurs de la SAF, les ingénieurs Robert Castello et Jacques Unrath. Donc Émile Dewatine va entendre définir un chasseur qu'il concevra lui-même et absolument sans aucune contrainte de l'État. Il n'a pas manqué de remarquer que l'industrie britannique venait de tester les prototypes du Hawker Hurricane et du Supermarine Spitfire, qui ont atteint respectivement une vitesse de 505 et 560 km/h grâce à leur excellent moteur Rolls-Royce PV12 de 1025 chevaux, dit le Merlin C, et qui ont été commandés immédiatement par l'Air Ministry. Donc il va concevoir un chasseur selon à peu près le même cahier des charges.
Et c'est bien pensé, l'état-major français décide de lancer un nouveau programme d'avions de chasse, le programme C1 de 1936, au mois de juin 1936, dans lequel il demande un chasseur qui doit atteindre la vitesse de 500 km/h et plus généralement des performances semblables à celles du Hurricane. Donc c'est précisément l'objectif que s'était fixé Émile de Wattine, à son bureau d'études. Et il a un coup d'avance parce qu'il étudie son appareil pour l'adapter à la production en grande série avec des techniques de construction limitant le nombre d'heures de main-d'œuvre. Ainsi, pour son projet, il évalue qu'il faut seulement 6000 heures de travail, alors que le Morane 406, qui est commandé en grande série, lui, il faut 14000 heures par appareil. Donc à la fin du mois de septembre 1936, l'avant-projet de son avion qui n'a pas de nom, qu'on appelle l'avion de chasse 500 km/h, est prêt. Émile de Wattine, en fait, a abandonné l'aile elliptique du de Wattine 513, la jugeant trop coûteuse par rapport aux gains aérodynamiques. Il abandonne également le lourd radiateur volumineux du de Wattine 513 et présente un appareil aux lignes très pures, dont le fuselage et la dérive sont assez semblables au D513, mais la ressemblance s'arrête là. Néanmoins, quand il présente son projet au ministère de l'Air, celui-ci a revu à la hausse les exigences, ayant conscience que demander maintenant au constructeur un appareil filant à 500 km/h condamne celui-ci à être périmé au moment de sa livraison, qui aura lieu au mieux 2 années plus tard. Donc, un nouveau programme qui est refait à la dernière minute et qui va devenir le 12 janvier 1937, le programme A23. Il exige désormais une vitesse maximum de 520 km/h. Ceci a pour conséquence de faire rejeter le projet de Wattine. Mais Mimille, pas de problème, il revoit sa copie. Il modifie légèrement son projet, il réduit l'envergure et la surface de la voilure. Il ignore royalement une récrimination du service technique de l'aéronautique sur le logement du train d'atterrissage et présente sa seconde étude au ministère de l'Air au tout début de janvier 1937, baptisant son projet de Wattine 520, en clin d'œil à la vitesse exigée par le programme. Fait notable, il est conscient de la faiblesse de puissance des moteurs français qui sont actuellement disponibles, puisque l'Hispano 12Y GRS, qui est le plus gros moteur de l'époque en France, n'atteint que les 860 chevaux, il va étudier sa cellule pour qu'elle puisse recevoir le futur moteur Hispano 12Z qui est prévu pour faire 1200 chevaux et qui n'est encore qu'en développement. Donc là, avec ce de Wattine 520, on a un chasseur évolutif et conçu pour la production de masse. Et cette fois-ci, présenté au ministère, il va être accepté, mais accepté pour la compétition. Parce que d'autres concurrents entrent en lice dans le cadre du programme A23. Le Morane Saunier MS450, le CAO200, le Caudron Renault 780, et même rejoint par le Bloc 152 et l'Arsenal VG30. C'est à ce moment-là que Émile de Wattine va récupérer ses moyens de production par le biais des lois de nationalisation. Il faut savoir... Après l'arrivée au pouvoir du Front populaire au mois de mai 1936, je vous ai dit, des grèves dures ont éclaté partout en France, et plus particulièrement dans l'industrie aéronautique. Le gouvernement Léon Blum fait voter une loi de nationalisation de cette industrie, et qui va aboutir donc à la nationalisation des 4/5 des constructeurs français, ainsi que des principaux motoristes. Et c'est une nationalisation partielle, ce qui fait que l'État exproprie une partie des actionnaires et devient l'actionnaire majoritaire. Et il permet aux anciens possesseurs de ces usines d'en être les administrateurs délégués. Donc, qu'est-ce qui se passe à la SAF où il n'y a plus de directeur? Émile de Wattine obtient de se faire nommer administrateur délégué de son ancienne usine de la SAF. Et il va même tenter de faire incorporer à la Société nationale des constructions aéronautiques du Midi, qui est censée regrouper toutes les usines du secteur, la SNKM, donc, qui est créée le 4 mars 1937, il va tenter d'y faire intégrer les usines Latécoère, savourant une revanche qu'il avait à prendre avec cette société depuis l'année 1920. Ce ne sera malheureusement pas le cas, bien qu'il ait quand même entrepris de déstabiliser Latécoère en y débauchant une partie de son personnel suite aux grèves qui s'y déroulaient. Donc la SNKM ne sera en fait limitée qu'aux anciennes usines de Wattine de la SAF. Alors, il a un projet d'avion, il a une usine, il n'y a plus qu'à le construire. Eh bien non. Il espérait une commande rapide de son appareil, mais rien ne se passe de ce côté-là, parce que l'État va perdre du temps à faire tester les autres appareils du programme A23 et va même ordonner aux sociétés nationales des commandes sur l'appareil qui est sélectionné dans le cadre du programme C1 de 1934, à savoir le Morane Saunier 406, y compris à la SNKM,
qui soit notifiée une commande de 130 exemplaires alors qu'elle n'a pas les moyens industriels de le faire. Finalement, elle produira un sous-ensemble, c'est-à-dire l'empennage, des empennages de Morane 406, elle les produira en 1939. Donc, pour l'heure, la SNKM doit continuer d'assurer la production des trimoteurs de transport de Watine 338 d'Air France. Et Émile, il va recevoir l'ordre de tenter d'améliorer le de Watine 513, pour lequel l'État est intéressé par la facilité de fabrication au grand dam d'Émile de Watine, qui sait que son de Watine 520 est bien meilleur. Donc, toute l'année 1937 va être littéralement gaspillée à tenter d'améliorer ce de Watine 513, qui est dans une impasse et qui va effectivement être abandonné. Clandestinement, sans la moindre commande officielle, Émile de Watine va avancer dans les études de son de Watine 520. En janvier 1938, il y a deux dessinateurs de la SNKM, sous la supervision de Castello et Enrat, qui reçoivent l'ordre de préparer des liasses de plans pour la fabrication du prototype. 7 salariés sont affectés au développement des plans du prototype en février 1938, puis en fait on arrive à 23 au mois de mars. Et même les 3 premiers ouvriers sont détachés de la chaîne d'assemblage du trimoteur de transport de Watine pour préparer l'outillage de la production. Il y a même, finalement, quand il reçoit une commande officielle de l'État, le 8 mars 1938, qui passe en commande 2 prototypes, il y a déjà 35 ouvriers qui travaillent sur cet avion. Donc l'État demande 2 prototypes. Le premier doit lui être livré le 1er novembre 1938 et le second le 1er janvier 1939. C'est un délai très court, mais Mimille a anticipé tout ça. Il y a une maquette en bois, en grandeur nature, qui est produite au mois de juin 1938. Et très vite, les pouvoirs publics qui sentent le potentiel du projet impose un secret le plus absolu sur l'appareil. Néanmoins, ce secret va être largement éventé dans la pagaille qui régit les pouvoirs publics de l'époque. Il y a une première mention de l'appareil qui apparaît dans la presse au début du mois d'octobre 38 et qui annonce l'imminence du premier vol. Puis il y a une maquette de l'avion qui est exposée au 16e salon de l'aéronautique au début du mois de décembre 38. Début 39, la censure cherche encore des noises à la revue Les Ailes qui souhaite publier une photo de l'appareil alors que la censure n'a pas vu que le quotidien Le Matin l'avait déjà fait le 8 décembre 1938. Tout comme d'ailleurs la revue allemande Flugsport, qui a eu pour source une photo fournie par l'Office français du commerce extérieur. Excusez du peu. Quoi qu'il en soit, la presse française va rendre compte finalement des différents essais en vol et va souligner d'une part les excellentes performances de l'appareil qui est présenté par l'avion le plus rapide potentiellement en service dans l'armée de l'air et qui va souligner aussi sa facilité à être construit en grande série. Venons-en maintenant directement à l'appareil au de Watine 520. Son premier vol sur un prototype qui est la propriété du constructeur a lieu le 2 octobre 1938 aux mains du fidèle Marcel Doré, le pilote d'essai attitré d'Émile de Watine dans toutes ses compagnies précédentes et maintenant qui est pilote de la SNKM. Dans ce premier vol, l'appareil qui est équipé d'un moteur Hispano 12Y25 de 860 chevaux et d'une hélice en bois bipale ne rentre pas son train d'atterrissage. Il est juste là pour tester les qualités de vol. La cellule est parfaite, l'avion n'a aucun vice majeur, tout va bien. Le véritable vol à pleine vitesse n'a lieu que 6 jours plus tard. Là, on lui a mis une hélice tripale métallique et il rentre son train d'atterrissage. Doré l'emmène plein gaz. Déception, l'appareil n'arrive péniblement qu'à 480 km/h et encore au prix d'une surchauffe inquiétante du moteur. Alors Mimille, encore une fois, revoit sa copie, supprime les radiateurs d'ailes qui se révèlent assez peu efficaces et va les remplacer par un radiateur ventral unique tout en agrandissant la dérive et le gouvernail. Doré s'envole de nouveau le 13 novembre 1938, mais n'a atteint que la vitesse de 500 km/h. Nouvelle modification, là, Émile fait installer des pipes d'échappement propulsives qui projettent les gaz d'échappement du moteur vers l'arrière. Et c'est à ce moment-là que, le 13 janvier 1939, le de Watine 520 atteint les 520 km/h. Mais il était temps, tout simplement, parce que les pouvoirs publics se demandaient si l'appareil n'allait pas suivre le même sort que le de Watine 513. Donc, la SNKM livre le premier des prototypes commandés par l'État, qui est en fait le deuxième produit, mais qui porte le numéro 1 de série sur la dérive. Donc il est, lui, quelque peu modifié, la dérive est un peu plus haute, et surtout il y a un équipement militaire, dont son armement, un canon de 20 mm qui tire à travers le moyeu de l'hélice, qui est alimenté par 60 obus, et 2 mitrailleuses de 7,7 mm qui sont fixées sous les ailes. C'est un armement encore provisoire. Il est livré au CEMA, Centre d'essai du matériel aéronautique, le 10 février 1939, avec 3 mois de retard sur le contrat, et il est testé par le célèbre pilote militaire Constantin Rozanov, qui l'emmène, lui, à 527 km/h.
Un autre pilote d'essai, Léopold Galli, atteint pour sa part la vitesse de 800 km/h en piqué, et le second prototype officiel, numéro 02, mais le troisième appareil produit, lui, est équipé d'un moteur Hispano 12Y31 de 860 chevaux, le même que celui qui équipe les Morane 406 de série, et qui est sélectionné par le service technique de l'aéronautique, le STAE, pour la production de série du Dewatine 520. Sur ce prototype numéro 2, c'est là qu'on met l'armement définitif. En plus du canon, il n'y a pas deux, mais quatre mitrailleuses qui ne sont pas fixées sous les ailes, mais noyées dans l'aile. Elles sont alimentées par un boîtier de 650 cartouches, qui sera même porté plus tard à 800 cartouches sur les avions de série. Alors la série, elle est lancée par une commande officielle, c'est le marché 588-9 du 7 avril 1939, et on demande 200 exemplaires, et on va en demander d'autres et d'autres, à tel point qu'au mois de juin 1940, il y aura 1925 exemplaires commandés à Émile de Wattine. Donc sur le premier de 200 exemplaires, les 10 premiers sont prévus d'être livrés en septembre 1939, et les 100 derniers avant la fin du mois de décembre. Et c'est un vœu pieux, parce que les mêmes services techniques de l'aéronautique vont changer d'avis en cours de route et décider finalement au printemps 1939 que l'appareil sera équipé du moteur Hispano Suiza 12Y45 qui lui fait 920 chevaux avec un compresseur, le compresseur Sildowski Planiol, et ce qui fait que le moteur est un peu plus puissant que le 12Y31 des deux premiers prototypes. Alors c'est une décision qui aura quand même le mérite de faire du D520 l'appareil qu'il sera, parce qu'il va filer ainsi équipé à 540 km/h. Mais ça aussi un inconvénient, c'est que ça fait retarder la production, parce qu'il faut modifier le bâti moteur pour allonger la cellule et revoir le centrage de l'avion. Ce n'est donc que le 31 octobre 1939 que le premier appareil de série peut effectivement effectuer son premier vol, alors que la guerre est déjà déclarée depuis 2 mois. Venons-en maintenant à la production en série. Elle a conduit de nombreux déboires. La SNKM, a dû s'agrandir pour permettre une production en grande série d'un tel appareil, alors que les anciens ateliers de la SAF, les usines de Wattine, ne permettaient de sortir que des petites séries artisanales. La nationalisation a permis à la société de s'agrandir, et les capitaux de l'État ont permis l'acquisition et l'aménagement de nouveaux locaux. Les deux Wattine 520 seront en fait produits dans 3 usines toulousaines. Tout d'abord, les longerons des voilures sont produits dans l'atelier dit de Cugnot, qui n'est pas sur la commune de Cugnot, mais sur la commune de Toulouse, le long de l'avenue de Cugnot, actuellement à l'arrière du lycée des Arènes, entre le boulevard Gabriel-Koenig et les allées Maurice-Sarrault. Il ne reste absolument plus rien de ce site qui a été détruit par l'urbanisation moderne. Ensuite, les longerons de voilures sont livrés à l'usine dite de Saint-Éloi, entre la rue du Sang de Serpe et la rue de la Manutention. C'est actuellement une usine du groupe Airbus, à proximité immédiate du lycée Airbus qui forme des techniciens aéronautiques. Et là, on construisait les voilures en entier, les ailes. Et l'assemblage final se faisait finalement à l'usine de Saint-Martin-du-Touche, où étaient produites les cellules, et auxquelles on ajoutait les ailes. Donc, Saint-Martin-du-Touche, ce n'est pas une commune, mais c'est un quartier de Toulouse, à l'ouest, au nord-ouest exactement. Cette usine donc est neuve, elle a été édifiée en 1939, elle existe toujours et elle appartient actuellement au groupe Airbus. Elle est située au sud des pistes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Donc cette organisation aurait permis à la SNKM d'atteindre une cadence de production de 200 avions mensuels. Il était prévu d'ouvrir un second site d'assemblage à Tarbes-Aussin pour passer à une cadence de 300. Le site a effectivement été aménagé, mais il n'était pas opérationnel au moment de l'armistice. Il y a même eu un troisième site qui était envisagé pour augmenter encore la production mensuelle. C'était la grotte de Bédeillac en Ariège. Elle n'a reçu aucun commencement d'exécution, finalement. Donc la montée en puissance de la production va connaître du retard. Et pourquoi? Parce qu'il manquait nombre d'équipements issus de sous-traitants, et notamment les fameuses pipes propulsives qui donnent le petit coup de pied au cul qui permet d'atteindre 40 km/h. Le plus grave est le fait que les cadences de livraison des moteurs Hispano 12Y45 ne suivent pas, à tel point qu'ont été envisagées par le bureau d'études des variantes de l'appareil équipées d'autres moteurs. D'abord le Dewatine 521, qui devait être équipé du Rolls-Royce Merlin 3, c'est-à-dire le même moteur que le Spitfire 1. Il était même prévu que le Dewatine en soit équipé après son 250e exemplaire de série. Lui, il était impossible de l'équiper d'un canon, et il était prévu de l'armée de 4 mitrailleuses lourdes dans les ailes. Il y a bien eu un prototype qui a été construit en février 40,
Mais à trop de problèmes techniques, le projet a été abandonné. Le Dewatine 522, lui, équipé du moteur Hispano 12Y31, celui du Dewatine 523, lui, il était prévu de recevoir le moteur 12Y51 de 1000 chevaux, c'est-à-dire le moteur de la génération supérieure au 12Y45. Avec un compresseur, il était prévu qu'on construise le Dewatine 523 à compter du numéro 601 de série jusqu'au 750. Ce projet est finalement devenu le Dewatine 525, il n'a pas été réalisé du fait de l'armistice. Et enfin, il était prévu de construire le Dewatine 524 après le numéro 760 de série, qui devait être doté d'un moteur encore plus puissant, l'Hispano 12Z de 1200 chevaux, qui est lui aussi en développement. Donc en outre, il y a eu deux appareils dérivés du Dewatine 520 qui ont été conçus pour battre le record du monde de vitesse. Le Dewatine 530, avec un Hispano qui était gonflé à 1800 chevaux, lui finalement ne quitte pas la planche de dessin. Mais le Dewatine 550, lui, a bel et bien été réalisé, construit, avec un Hispano 12YCRS de 900 chevaux et qui, piloté par Doré, va atteindre la vitesse de 650 km/h le 23 juin 1939. Et va même dépasser les 700 km/h le 22 novembre suivant, rééquipé d'un moteur 12Y51 compressé. Donc ce Dewatine 550 n'est qu'un avion de course, mais il y a une version militaire de l'appareil qui est construite, le Dewatine 551. Il y a effectivement trois prototypes qui sont sortis des usines, mais n'ont pas pu voler avant l'armistice. Avec le Dewatine 551, on avait probablement un avion de la classe des intercepteurs du milieu de la guerre, comme le Spitfire 5 ou le Messerschmitt 109G. Alors, il y a même eu une version hydravion à flotteur du Dewatine 520, le HD 780, qui pouvait être embarqué et catapulté sur les croiseurs de la marine française. Sa cellule a été effectivement construite, mais il n'a pas reçu son moteur avant l'armistice et il n'a jamais volé. Bon, résumons-nous. Avec le Dewatine 520, la République française avait un appareil évolutif qui aurait pu donner une famille de chasseurs susceptibles de rivaliser avec les dernières versions du Messerschmitt 109, voire même du Focke-Wulf 190. L'histoire en a décidé autrement. Revenons à la production du Dewatine 520. Dewatine 520, le chef-d'œuvre d'Émile Dewatine, qui va aussi démontrer son génie de l'organisation. Et la cadence de sortie a été de 200 avions par mois à partir du mois de mai 40. Et nous étions équipés à l'époque pour sortir le double, 400. Les usines de Toulouse travaillent jour et nuit. Comme je l'ai dit, le premier exemplaire est sorti de l'usine de la SNKM le 31 octobre 1939. D'autres suivent. Et deux mois plus tard, peut être constituée la première escadrille d'expérimentation au sein du groupe de chasse 1-3, qui se battait jusque-là sur Morane 406, en Lorraine, au-dessus de la ligne Maginot, où il a remporté quelques victoires. Donc le groupe de chasse 1-3 est rappelé du front au mois de décembre 1939 pour s'installer à Cannes-Mandelieu et recevoir ses nouveaux Dewatine 520, tout neufs. Tout neufs, mais certainement pas opérationnels, parce que, pressé par le temps, l'armée de l'air a fait lancer la production de l'appareil alors qu'il n'est pas tout à fait au point. Comme il faut aller vite, on sort de l'usine des avions dits non bons de guerre, qui ne peuvent servir qu'à l'entraînement, et que l'on modifiera rétroactivement par un retour en usine. On renonce à le faire sur les 50 premiers avions de série, qui ne serviront qu'à l'instruction. Néanmoins, devant l'urgence, on modifiera finalement certains d'entre eux. Il n'y aura que 28 exemplaires d'instruction non armés. Tous les autres, sortis des chaînes de la SNKM, sont provisoirement réceptionnés par l'armée de l'air et vont revenir plus tard en ordre dispersé à Blagnac, où on organise un atelier pour les modifier au standard bon de guerre, ce qui nécessite encore 10 jours de travail par appareil. Ce n'est qu'à partir du numéro 208 que le Dewatine 520 est figé dans sa définition et sort des chaînes de montage en étant bon de guerre directement. On parle là de Dewatine 520S, c'est ainsi qu'il apparaît sur les documents techniques d'usine, S pour avion de série. En attendant, les Dewatine 520 d'entraînement sont livrés à trois groupes, en plus du groupe de chasse 1-3. Ils vont être livrés au groupe de chasse 2-3, 3-3 et 2-7, qui sont pressentis pour être transformés, et chacun d'eux vont recevoir trois appareils d'instruction, afin que les pilotes qui se battent sur le front puissent se faire la main sur leur future monture avant de la recevoir en dotation officielle. Le 28 avril 1940, un second groupe, le GC 2-3, est rappelé du front pour être transformé à son tour. Il s'installe au Luc, dans le Var, il y arrive le 9 mai 1940.
Le lendemain, c'est l'attaque allemande qui précipite les choses. Le Dewatin 520 va connaître son épreuve du feu. Je voulais conclure cette vidéo en signalant quelques ouvrages pour ceux qui souhaitent se documenter. Il y a tout d'abord le Dewatin 520, écrit par Raymond Danel et Jean Cuny, qui est édité par les éditions La Rivière, la même maison d'édition qui édite la revue mensuelle Le Fana de l'aviation. Ce livre a été écrit par Raymond Danel, donc, qui était très proche d'Émile Dewatin. Il était lui-même ingénieur aéronautique dans les années 50, il a bien connu Émile Dewatin, et il a rédigé cet ouvrage qu'on peut encore trouver, je pense, assez facilement sur le marché de l'occasion. C'est le meilleur ouvrage sur le Dewatin 520. Raymond Danel a également écrit d'autres ouvrages sur les avions Dewatin et aussi une biographie d'Émile Dewatin, toujours aux éditions La Rivière. Donc, je signalerai également le mensuel Le Fana de l'aviation, où de temps en temps, vous avez des articles sur le Dewatin 520. Sur le numéro du mois d'avril, vous en avez un sur le Dewatin qui ont été livrés à la Bulgarie. Et je tiens à signaler aussi l'excellente revue Les Ailes de Mathieu Coma, qui elle est spécialisée sur l'aviation française et qui, pour à peu près un numéro sur deux, vous parle du Dewatin 520, tout particulièrement dans le numéro 10, où il parle de l'évolution technique du Dewatin 520 tout au long de sa production. C'est peut-être un peu technique, mais c'est absolument passionnant.